Ouais, c'est parce que ça lui coûte moins cher. Acheter des trucs. Et on va acheter. Je vais aller chercher. Thank you.
déposer mes sous. Travaille avec trop de bazar. Mes patates. J'ai le large pour mon pote. Fiche le large pour mon pote, c'est ça, c'est un poisson qui me pisse une feuille. J'ai la pote. Thank you.
ce cas-là, fiche, ça serait le dessert, donc je vais chercher un peu de le dessert, c'est un Lego qui a plus donc c'est un lait et deux champignons, je vais les chercher. Et après les champignons, ça sera juste après le lait, c'est deux champignons. Thank you.
sous le site. Voilà, ça, ensuite. Ok, la dernière pièce. Hop. La clé. Eh ben, je suis contente. Et je suis très contente d'avoir enregistré ça. Ouh, je vous mettrai ma petite feuille de prépa que j'avais fait pour préparer le défi en part dans la description. Et j'en tremble. Je suis assez fière de moi, je vous avoue. Je vous mettrai donc, je me suis fait une grille en fait de tous les plats qu'il peut demander, les plats qui sont intéressants, ceux que je pourrais acheter, enfin ceux qu'on a les moyens d'acheter ou pas selon ce qu'on a fait avant. Normalement c'est viable. Donc là on a réussi en 6. Non, 19 en tout. Avec seulement 12 ouvertures de coffre et la chance de ne pas être tombé sur le sirop. Je pense que si j'étais tombée sur le sirop, il aurait fallu que je dépense des sous pour acheter le pot où je suis allée chercher les épices. J'ai dit que j'avais rien à lui acheter, j'aurais pu le faire. Donc ça marchait aussi. Et donc voilà, avec 0 point staff. Le staff qui vous fait pas attendre. Ben voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci à tous!